Deuxième secret de production Harry Potter, donc je l'ai révélé à peu de personnes, euh, il y a un autre euh, acteur célèbre dans Harry Potter, tellement célèbre qu'on ne peut pas passer à côté. Et euh, quand les acteurs de Harry Potter vont le voir, donc vous avez déjà, je vous ai dit, il y a Will Smith, c'est une vérité, que vous arrivez à le parler ou non, quand les acteurs de Harry Potter vont le voir, tous les acteurs, même les plus anciens, hein, vont le voir, ils vont l'appeler maître. Maître, maître de son art. Il l'appelle Maître. Alors, quel est l'acteur C'est un acteur black, selon vous, qui est présent dans Harry Potter, qui ne figure pas à l'affiche du film. C'est-à-dire que son nom n'est même pas à l'affiche du film. Et il l'a demandé, lui, à ce que son nom ne figure pas à l'affiche du film pour ne pas faire de l'ombre aux enfants. Aux trois acteurs qu'il a là et aux autres acteurs. Qui va venir, qui va animer en tant que maître du jeu, qui plus est pour Harry Potter. C'est un des maîtres du jeu qui va comprendre ce que moi j'attends en tant qu'inventeur euh, de, de, de l'aventure. Inventeur d'aventure, c'est quoi Vous prenez le jeu de rôle et vous vous dites voilà mon aventure, c'est la suivante. Un enfant, par exemple, devient apprenti sorcier dans une école. Vous lui donnez pas nécessairement un nom, mais vous créez l'aventure. Et vous, ceux et celles qui veulent venir pour participer vont commencer la partie. D'accord Moi je suis spécialiste de l'improvisation au cours Florent et à Yel. C'est-à-dire que je peux improviser une aventure entière avec euh, les enfants euh, directement en jeu des 6 100. Pendant qu'eux vont jouer, moi je peux inventer le, la suite de l'aventure. Et euh, des fois je fais des pauses, je dis on fait la pause, on prend un goûter, pendant le goûter, je suis en train de faire le, les. La suite de l'aventure prépare l'installation la, des prochains monstres, des fantômes, des, des dragons, des trésors, des indices, euh, des personnages mon joueur pourra rencontrer. Je mets les cases et euh, je le mets sur une feuille. Je montre devant euh, d'autres adultes que la feuille est déjà préparée et les enfants doivent trouver ensuite des informations à partir de ce qu'ils ont vu sur les feuilles. C'est comme ça qu'on joue à Harry Potter pour créer le jeu de rôle, le jeu au départ. Hein. Donc on va créer des jeux au départ, Vous pouvez être être un dragon, vous euh, pouviez être un vampire, vous être un lutin, un... dans ces jeux-là. Et en réalité, bah, là, on a créé Harry Potter de cette manière. Je suis créateur de l'aventure. Et euh, le maître du jeu, lui, il entend toute l'aventure que je vais euh, créer. Et euh, comme je ne peux pas être sur tous les plateaux en même temps, parce que vous imaginez que là, par exemple, il y a l'aventure où il y a Harry Potter, a... s'il si n'est pas au même endroit que Hermione, il y a une deuxième salle où il y a Hermione, euh, avec, euh, je ne sais pas, moi, euh... Weasley, et euh, une troisième salle où il y a peut-être euh, euh, Voldemort qui est en train de préparer ses plans avec les méchants. Comme l'aventure en elle-même fait que les trois salles ne savent pas ce que les autres sont en train de faire, mais doivent avancer en même temps, je peux pas faire mettre du jeu partout. Donc il y a un maître, que tout le monde appelle maître, un maître acteur aussi, parce qu'il est bête de son métier, qui était présent. Vous avez le nom ou pas Il est présent et c'est un acteur black. C'est Morgan Freeman. Morgan Freeman est dans Harry Potter quelque part. Il est maître du jeu de Harry Potter à l'écriture. Sans lui, ça ne pourrait même pas avoir été écrit. Et il est dans Harry Potter. Il joue un personnage. Il a des lignes. Mais on ne le reconnaît pas. Est-ce que vous savez quel est ce personnage